Bonjour à tous, bienvenue à Momentum sans frontières. On est dans la joie aujourd'hui. C'est une célébration spéciale. C'est la remise des diplômes de tous ceux qui graduent de Momentum Academy qui sont là. Et donc, on va prendre un temps, on va louer, adorer le Seigneur avec Momentum Music. Juste après, je vais apporter un message. On va voir ensemble que nos faiblesses ne nous disqualifient pas et que l'appel de Dieu nous dépasse. Alors, à tout de suite, louange, message, et on se retrouve juste après. Bonjour Église Momentum et bonjour à nos chers académiciens, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On est vraiment heureux d'être avec vous ce matin, cet après-midi, pour louer Dieu et adorer Dieu. On peut taper des mains ensemble. Woo! Je suis libre, Jésus a triomphé.
Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce qu'encore une fois ce matin, nous venons pour te louer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, par amour pour toi. Nous venons te louer, Seigneur Jésus, parce qu'un jour tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons te louer et t'adorer parce que nous te connaissons, toi, le roi des rois. Alors reçois ce chant ce matin, reçois cette adoration, Seigneur Jésus. Église, chantons ensemble. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Mon chanton. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Chantons ensemble. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Tu es si bon vers moi, oui tu es si bon vers moi. Je me sens tes mains, tu m'as offert la croix. Je tenir sans fin, tu me cherches. Église, chante-le. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans fin, tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches, aucune ombre.
ce lion pour élever la voix vers Jésus. Commence à élever ta voix, à prier vers le roi des rois. Dis-lui, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Franchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Non, 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 en toi je sais. Oh, je suis choisi, chante-le. Je suis choisi et affranchi. Oh, en toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Déclare-le. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oh Seigneur, je suis ton enfant. Église, ce matin, nous allons louer Dieu. Nous louons Dieu pour qui il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais louons Dieu d'un cœur sincère et juste reconnaissant pour qui il est, notre Sauveur, notre Seigneur. Ô Seigneur, apprends-moi à te louer pour qui tu es. Que ce soit notre prière encore ce matin. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je te donne toute la gloire, Seigneur, et toute mon adoration ce matin. On va faire quelque chose, on va juste lever les bras, Église. On va juste lever les bras vers le ciel en signe de reconnaissance et on va louer Dieu pour qui il est. Alléluia. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adoré, magnifié, celui qui s'est sacrifié, qui t'en ton Père. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Oh, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer.
Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre là sur Internet. Tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Sur Momentum Sans Frontières. Et aujourd'hui est une journée spéciale. Vous l'avez entendu, peut-être pas vu, mais vous les avez entendus. Il y a toute une promotion de Momentum Academy qui gradue cette année. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Nous sommes, je ne suis pas seul, hein, nous sommes fiers de vous. On est vraiment bénis de voir que vous avez passé ces deux années avec succès et que vous êtes, voilà, vous nous bénissez, vous nous encouragez de voir ce que Dieu fait à travers vos vies. On a fait Momentum Academy pour ça et de voir des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes, des femmes arriver de tout bord, tout horizon, de différents endroits, être là et deux ans plus tard avoir un beau petit chapeau. Avec des belles toges, c'est vraiment une bénédiction. Et j'aimerais profiter de cet instant où nous parlons de Momentum Academy, j'aimerais profiter de cet instant pour nous encourager, chacun d'entre nous, à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Vous savez, parfois, l'appel de Dieu nous dépasse. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte de ça? Dieu t'appelle à quelque chose, mais quand tu considères qui toi tu es, tu te dis, il y a eu une erreur de casting. C'est pas possible que Dieu appelle une personne comme moi. J'aimerais te dire, il n'y a pas d'erreur de casting. Dieu sait ce qu'il fait et il t'a choisi depuis toute éternité.
Il y a cette histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, de Gédéon. Vous avez déjà entendu parler de Gédéon ? Gédéon, c'est un jeune homme qui se sentait vraiment misérable. La Bible nous dit que Gédéon, c'est lui-même qui le dit, il dit « Je suis le plus petit de ma famille ». Ok, et ma famille est la plus petite dans ma tribu, et ma tribu est la plus petite des 12 tribus d'Israël. Donc s'il y a quelqu'un qui se sentait petit, parce que lui se sentait petit, le plus petit dans sa famille, s'il y a quelqu'un qui se sentait le plus petit des petits, c'était Gédéon. Et en plus, la Bible nous dit qu'il se cachait dans un pressoir afin de travailler parce qu'il avait peur des Madianites, qui étaient un peuple qui venait souvent agresser le peuple d'Israël. Et lui, il est en train de se cacher. Et là, il y a l'ange de l'Éternel qui représente Jésus littéralement. Et l'ange de l'Éternel rentre dans le pressoir. Il voit Gédéon et vous savez comment il va l'appeler ? Vaillant héros. Je crois que Gédéon, quand il a entendu vaillant héros, il a dû se retourner. C'est à moi que tu causes ? Et je crois que Dieu ne se trompe pas. Nous, souvent, nous nous sentons nuls, zéro, mais Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas. Dieu voit en toi la capacité, Dieu voit en toi un potentiel qu'il a mis dans ta vie, un don, un appel, et je crois que Dieu ne se repent pas de ce qu'il donne, et je crois que Dieu est fidèle pour nous aider à accomplir l'œuvre qu'il nous appelle à faire. Souvent, on est là, mais je ne peux pas. Écoutez bien ça. Je ne crois pas, et vraiment de tout mon cœur, Dieu ne peut pas te demander quelque chose s'il n'a pas mis en toi la capacité de l'accomplir. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu te donne un appel, même si tu ne te sens pas à la hauteur, Dieu a mis en toi le don, le talent, le potentiel, tout ce que tu veux, afin d'accomplir l'œuvre à laquelle il t'appelle. Oh, sinon, ça n'a pas de sens. Et Gédéon se sentait vraiment nul, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, parce que oui, notre appel nous dépasse. C'est beaucoup plus grand que nous, et tant mieux, je vous dirais, parce que grâce à ça, ça nous permet de compter sur Dieu. On ne compte plus sur nos forces. C'est tellement plus grand que nous, que nous sommes obligés de compter littéralement sur la main de Dieu, sur notre vie. Alors aujourd'hui, le message que j'aimerais vous apporter, je l'ai intitulé « Vos faiblesses ». Ne vous définissent pas. Non, je crois que tes faiblesses, littéralement, ne sont pas un handicap pour Dieu. Et Dieu peut utiliser qui tu es, même si tu te sens le plus petit, afin d'accomplir l'œuvre qu'il a pour toi. Et on va regarder un personnage, des excuses que ce personnage avait, et des excuses dans lesquelles on peut souvent se retrouver, et comment Dieu vraiment répond à toutes les excuses qui sont mises devant lui, afin de nous faire comprendre que nous pouvons aller de l'avant. Ce personnage, beaucoup vous le connaissez, même ceux qui n'ont pas de culture biblique, vous connaissez ce personnage, c'est Moïse. Vous avez tous entendu parler de Moïse. Vous avez vu peut-être le prince d'Égypte, les 10 commandements et toutes ces choses-là. Juste pour vous faire pour planter un petit peu le décor rapidement en 2 minutes, Moïse est né dans une période sombre de l'histoire. Le peuple d'Israël est captif en pays d'Égypte. Et là, le pharaon va ordonner la mort de tous les petits garçons et de tous ceux qui viennent de naître. Et là, la maman veut tellement protéger son fils, elle va prendre Moïse, elle va le mettre dans une corbeille, elle va le poser sur le Nil, et là, la corbeille va arriver chez Pharaon. T'imagines l'angoisse totale ? En fait, tu veux sauver ton enfant, tu le mets dans une corbeille et il finit par arriver chez celui qui a ordonné de tuer tous les petits garçons. Et là, le bébé arrive et il y a la sœur de Pharaon qui trouve l'enfant et elle va aimer cet enfant et elle va adopter cet enfant. Et donc la protection de Dieu s'est retrouvée sur Moïse. Moïse veut dire sauver des eaux. Et Moïse va grandir. Et Moïse va grandir avec ce dilemme en lui parce qu'en même temps, il était sa nourricière, c'était sa vraie mère biologique. Et il se retrouve avec ces deux cultures. Il se retrouve égyptien, prince d'Égypte, où il apprend l'égyptien, où il fait les écoles d'Égypte, les écoles militaires. Il a une connaissance. À cette époque-là, la Bible nous dit qu'il était fort et puissant en parole. Waouh, tout un monsieur quand même. Et puis en même temps, il savait qui il était et certainement qu'il connaissait son appel à libérer un jour le peuple d'Israël. Mais il est là, il grandit au milieu de ces deux cultures. Et puis alors qu'il a 40 ans, qu'il est dans la fleur de l'âge, il se dit certainement « c'est le moment ». Vous savez, quand on veut faire quelque chose et que ce n'est pas le timing de Dieu, c'est toujours une catastrophe. Hein. Et là, la Bible nous dit qu'il va commettre un meurtre.
Il va voir un Égyptien qui s'en prend à des Hébreux, ça va le mettre en colère, et il va tuer l'Égyptien. Et il va l'enterrer dans le sable, pensant qu'il va regarder à gauche, à droite, ni vu ni connu, ok, c'est bon, personne ne m'a vu, mais quelqu'un l'avait vu. Et quand il va le savoir, il va paniquer, parce qu'il se dit, si l'histoire remonte jusqu'à Pharaon, c'est sûr, on va me tuer. C'est sûr que toute ma condition, qui je suis, se termine. Et là, Moïse va s'enfuir, et il va aller dans le désert. Et la Bible nous dit qu'il va aller dans ce désert, le désert de Madian, et il va rester là pendant 40 ans. Et sa vie a basculé. Il est parti, il avait 40 ans, il était dans la fleur de l'âge. Maintenant, il a 80 ans. Il est passé d'un palais à un désert. Il est passé des beaux vêtements de prince d'Égypte à un vêtement de berger. Il est certainement passé de bons parfums Chanel numéro 5 et il est passé à mouton numéro 5. Vraiment, sa vie a changé. Okay. Sa vie a complètement changé. De fort et puissant en parole, la Bible nous dit que maintenant il est devenu bègue. Et si à un moment donné dans la vie de Moïse, où Moïse se disait « c'est terminé pour moi, il n'y a plus aucune, espérance, je suis une cause perdue », c'est bien à ce moment-là. Mais j'aimerais vous encourager, mes amis, en vous disant « pour Dieu, nous ne sommes jamais des causes perdues ». Même si tu crois que c'est terminé, qu'il ne croit sur toi, ce que Dieu a dit, il n'est pas fils d'homme pour se repentir, ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Alors Dieu va aller voir Moïse, et voici le récit de cette histoire. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel, comme pour Gédéon, qui symbolise Jésus, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'à un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Car c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébousiens et tous les Yaïens du monde. » Ils étaient tous là. « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai. » Vas-y, c'est ton appel. « Je t'envoie vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les Israélites. » Waouh ! Quel appel ! Est-ce que vous avez déjà reçu un appel comme ça ? Moi, vraiment, quand je considère mon appel, vraiment, je suis content déjà. Je trouve que c'était surnaturel, que Dieu a parlé à mon cœur et une conviction. Mais quand je considère l'appel de Moïse, waouh, je suis jaloux, hein. L'appel de Moïse, c'est quand même un truc de fou. Il y a un buisson qui brûle et il ne se consume pas. Et au milieu du buisson, t'entends la voix de l'Éternel. « Moïse, Moïse, waouh !» Et là, tu te dis, je pense, il est fort probable que Moïse, quand il a vu ça, quand il a vu cette chose extraordinaire, cet appel surnaturel, il ne peut rien remettre en question. C'est fort, c'est puissant, c'est spirituel, c'est tellement extraordinaire que Moïse a dû se mettre à genoux en disant « Je suis prêt à faire toute ta volonté, je suis prêt, ça me dépasse, mais je suis prêt à répondre à l'appel de Dieu. » Vous pensez que Moïse a fait ça? Absolument pas. Absolument pas. Du haut de ses 80 ans, du haut de son vêtement de berger, du haut de tout ce qu'il a vécu, de ses rêves brisés, de tous les problèmes qu'il pouvait avoir dans sa vie, Moïse va faire ce que beaucoup d'entre nous faisons. Il va trouver des excuses pour se défausser. Il va trouver des excuses pour ne pas rentrer dans l'appel de Dieu. Et on va regarder ensemble, rapidement, les différentes excuses de Moïse, parce que je crois qu'on se retrouve tous plus ou moins dans les excuses que Moïse a avancées pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu a répondu à Moïse et en l'occurrence comment Dieu nous répond à nous.
afin que nous puissions accomplir ce que Dieu désire. La première excuse que Moïse va avancer, c'est parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à la hauteur ? Moïse ne se sent pas à la hauteur, et c'est facile à comprendre. En fait, c'est facile à comprendre. Quand il avait 40 ans, quand il était dans la fleur de l'âge, quand il était beau, quand il avait les beaux vêtements, quand il était fort et puissant en parole, lorsqu'il sortait des écoles militaires, que c'était « waouh, le gars en vue ». Sur Instagram, il aurait eu 10 millions de followers, celui-là. Waouh ! Là, en fait, rien n'a marché pour lui. Ça a été une catastrophe. Et maintenant, Dieu vient le chercher quand il a 80 ans. Mais au-delà de ça, quand tu considères l'état de Moïse, la Bible nous dit qu'il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Ça veut dire qu'en 40 ans qu'il était dans le désert, Moïse n'a pas réussi à prendre son indépendance. En 40 ans dans le désert, tu te dis quand même, le gars de 40 à 80, il a de la maturité, il a fait des écoles, il a fait toutes sortes de choses. Je suis persuadé que Moïse, là, tu vas lui donner un couple de chèvres avec le bouc ou les moutons, ou peu importe. C'est sûr qu'il va te monter un cheptel, ça va être comme Jacob, il va te faire des trucs de dingue avec tout ce qu'il a pu apprendre. Non, en fait, sa vie, c'est comme un échec. Il n'a rien fait du tout. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il travaille pour beau papa. Si beau papa n'est pas là, il n'a pas de troupeau, il n'a rien. Et là, j'imagine Moïse, il se sent comme un échec. Il se sent, mais je ne suis pas à la hauteur de ce que tu me demandes. Tu me demandes de faire des choses, mais regarde, ça fait 40 ans que je suis dans le désert, je n'ai même pas été capable de développer ma propre société. Je n'ai même pas été capable de développer les propres dons. Je ne me sens absolument pas à la hauteur. Regardez ce qu'il dit. Exode 3, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ?» et pour le faire sortir, et pour faire sortir les Israélites d'Égypte. En fait, bien sûr, quand il dit « qui suis-je », il y a une notion d'identité là-dedans. Alors, on sait, Moïse, c'était un orphelin, il a eu certainement toutes sortes de questions, des difficultés, il était à la fois égyptien et en même temps il était hébreu, il était dans le camp de ceux qui agressent et dans ceux qui étaient esclaves. Bref, c'est toute une ambiguïté en lui, et certainement qu'il y avait un gros problème d'identité, c'est sûr et certain. Mais là, au-delà du problème d'identité, on voit Moïse qui dit « mais... qui suis-je, moi ? » En d'autres termes, regarde qui je suis. Je suis un vieux monsieur, ma santé n'est plus là, et je m'occupe d'un troupeau, et c'est même pas le mien, c'est celui de mon beau-père. Si mon beau-père n'est pas là, ne m'aide pas, je meurs de faim. Et moi, dans la condition dans laquelle je suis, tu me demandes d'aller voir Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, afin de libérer ton peuple. Wow ! Est-ce que vous comprenez ? Moïse, je ne me sens pas à la hauteur. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, et tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, ce n'est pas grave. Parce que la Bible, et c'est pour ça que je l'ai relu deux fois tout à l'heure, la Bible ne dit pas « c'est Moïse qui va les délivrer », comme souvent nous pensons, mais la Bible dit « c'est Dieu qui va délivrer ». En fait, ce n'est pas à propos de toi, de tes dons, de tes capacités, de ton éloquence. C'est à propos de qui est Dieu. C'est Dieu qui ouvre la mer Rouge en deux. C'est Dieu qui fait tomber la manne du ciel. C'est Dieu qui envoie les 10 plaies d'Égypte. C'est Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. C'est pas toi. Et souvent, on a du mal et on cherche des excuses parce que... Et les excuses que nous cherchons, c'est comme si les choses dépendaient de nous. Non, elles ne dépendent pas de toi. Toi, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'être obéissant. C'est d'obéir à ce que Dieu te demande. Comprenez-vous ? Et c'est Dieu qui fait le miracle. C'est jamais nous qui faisons le miracle. La semaine prochaine, à Carcan, vraiment venez, ça va être une journée extraordinaire. Et le pasteur Yvan l'a dit tout à l'heure, il va y avoir 55 baptêmes. Comprenez ceci, pourquoi il y a des gens qui ont rencontré Jésus ? C'est parce que le Saint-Esprit a touché et bouleversé leur cœur. En tant que prédicateur, si je prends qui je suis, ou Yvan, Mathieu, etc. En fait, en tant que prédicateur, souvent je donne cette image lorsque j'enseigne à Momentum Academy pour le cours de prédication. Je dis souvent, quand on reçoit la pensée de Dieu, c'est comme un bloc de viande. Et derrière, nous en tant que prédicateurs, il va falloir le préparer. Il va falloir bien le couper, il va falloir faire la bonne cuisson, il va falloir le bon assaisonnement, il faut la bonne sauce, il faut les bons accompagnements, afin que lorsqu'on va vous présenter ça, ça soit bon, ça soit agréable, ça soit digeste, ça soit le meilleur plat possible. Néanmoins, ça c'est notre rôle en tant que prédicateur. Mais c'est pas au nom de Patrice Martorano que les malades sont guéris, que les captifs sont délivrés. Non, c'est au nom de Jésus que les captifs sont délivrés, c'est au nom de Jésus que les malades sont guéris et que les gens donnent leur vie à Jésus. Il y a des choses que,
que Dieu ne fera pas à ta place. Même s'il a la capacité de les faire, il ne les fera pas à ta place. Mais maintenant, comprenez ceci, il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Moi, je peux prêcher de tout mon cœur, mais celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, ce que Dieu te demande, c'est d'obéir à ce qu'il te demande. C'est tout. Tu fais ce qu'il te dit et c'est lui qui va ouvrir la mer Rouge en deux. C'est lui qui va faire tomber la manne du ciel. C'est lui qui va faire couler l'eau du rocher. J'obéis à Dieu et je n'ai pas à m'inquiéter du reste parce que c'est lui qui va le faire et l'accomplir. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Je délivrerai. Je t'envoie, mais ce n'est pas toi qui vas les délivrer, Moïse. Toi, fais ce que je te demande et moi, je délivrerai mon peuple. Fais ce que Dieu te demande et regarde la main de Dieu agir sur ta vie. Regarde la main de Dieu façonner la destinée qu'il a pour toi parce que ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Mais bien aimé, au-delà de votre vulnérabilité, n'oubliez jamais la grandeur de Dieu. Moïse était âgé et bègue, mais son Dieu était grand et il l'est toujours pour vous aujourd'hui. Moïse, vous pensez que Moïse, ça suffit à Moïse à le convaincre ? Moïse va trouver une autre excuse. Et cette excuse est liée au fait d'avoir peur des circonstances. Regardez ce qu'il est dit. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Ok, Seigneur, tu me dis, vas-y, je vais y aller, mais là, ils vont me dire, mais quel est le nom de Dieu? Et qu'est-ce que je vais dire, moi? Ok, Dieu m'a appelé et il m'a dit, il va nous délivrer, allez, tous on part, on va à la recherche du pays promis, on va au pays où coule le lait et le miel, etc. Mais là, ils vont me dire, mais comment on fait pour sortir? Et puis, comment on va faire pour manger? Bref, il y a mille et une circonstances. Comment Seigneur, je leur dis quoi? Et écoutez la réponse de Dieu, elle est puissante. Dieu dit, tu n'as qu'à leur dire, le grand je suis sera avec vous. Vous savez, le mot « je suis », en fait, en hébreu, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. C'est quoi le tétragramme? C'est le nom de Dieu, mais il n'y a pas de voyelle à l'intérieur. Il n'y a que des consonnes. Il y a un Y, un W, un H et un W. Essaye de prononcer ça. Tu ne peux pas le prononcer. C'est imprononçable. C'est pour ça que plusieurs théologiens ont mis des voyelles. Okay, si tu mets un A et un E, ça fait Yahweh. Si tu mets un O, un E, un O, un A, ça fait Jéhovah. Est-ce que vous comprenez? Et parce que, en fait, le nom de Dieu est imprononçable. Ce ne sont que des consonnes. Et si on devait traduire littéralement ce que veut dire le tétragramme, écoutez bien, ça veut dire ça. Ça veut dire, je serai ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Tout ce dont tu auras besoin, les circonstances, si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que quels que soient tes besoins, j'ai mon nom qui va y répondre. Le grand je suis sera avec toi. Si tu es malade, je serai l'éternel qui te... Si tu es dans le besoin, je serai l'éternel qui pourvoit. Si tu es dans l'inquiétude, je serai l'éternel ta paix. Si tu tombes et que tu pèches, je serai l'éternel qui te purifie. Quand tu ne sauras plus où aller dans le désert et que tu seras dans l'inquiétude, je serai l'éternel ton berger. Lorsque des gens vont se dresser devant toi, je serai l'éternel des armées. Quel que soit ton besoin, Dieu a un nom qui répond à ce besoin. Le nom de Dieu est une source inépuisable de possibilités. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, dans l'inquiétude que tu as de répondre à l'appel de Dieu, mais je n'ai pas l'argent, mais je ne sais pas où aller, mais je ne sais pas comment je vais faire, et je ne suis pas assez pur, Dieu te dit, mon nom, le grand je suis, est avec toi, et je vais agir à tes côtés afin de t'ouvrir la voie. Et mon nom sera à tes côtés afin d'être une source inépuisable de possibilités. J'ai noté ça lorsque Moïse est rongé par le doute, lorsque l'inquiétude et l'insécurité de sa mission le plongent dans l'angoisse, le Seigneur lui dit, « Le grand je suis sera avec toi, mon nom sera avec toi. » Tu n'as pas à t'inquiéter, Dieu marchera toujours à tes côtés. Il est l'ombre de ta main droite. Durant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune durant la nuit. Il garde ton départ et il garde ton arrivée. Il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est le rocher des siècles. C'est pas un sable mouvant dans lequel tu vas t'enfoncer. Non, c'est le rocher des siècles. Et tu peux t'appuyer. Jamais il ne fera défaut. Jamais il n'abandonnera celui qui se confie littéralement en lui.
Vous pensez que ça suffit? Que Moïse a dit « c'est bon, let's go, on y va ». Troisième excuse, et je demandais au musicien de revenir, il va se sentir intimidé par la mission. Vous avez déjà été intimidé? Regardez, Moïse répondit au grand je suis, au grand nom de Dieu, regardez ce que Moïse dit. « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, au contraire, ils diront « l'Éternel ne t'est pas apparu ». Waouh ! Ça, je crois que c'est une des choses les plus difficiles quand tu veux répondre à l'appel de Dieu, c'est l'intimidation des autres. Vous savez que Moïse, il n'est pas fou, Moïse, parce que toutes les excuses de Moïse, quand même, elles sont sensées. Ce n'est pas des excuses bidons, elles sont vraiment sensées, ces excuses. Il dit « mais ils ne vont pas m'écouter ». Ils ne vont pas m'écouter quand je vais leur dire quelque chose. Ils vont me dire, mais pour qui tu te prends? D'où tu sors, toi? Et il y a cette intimidation. Ils vont dire que... Enfin, bref, et Moïse, quand on sait ce qui va passer, ce qui va prendre place dans le futur, on voit que Moïse avait raison. Le peuple va vraiment lui faire des histoires. Et il est intimidé par ça. Et c'est vrai que de se tenir devant les gens et répondre à son appel, c'est intimidant. Parler, être prédicateur et parler devant les gens, c'est intimidant. Moi, je me souviens la première fois de ma vie que j'ai prêché dans une église. J'étais tellement intimidé, je ne le montrais pas aux gens, j'essayais de gérer un petit peu, de me débrouiller avec tout ce qu'il y avait au fond de moi et qui explosait dans tous les sens, mais j'étais intimidé. Et vous savez, une des choses de comment on voit quand quelqu'un est intimidé, il a la bouche sèche. J'avais la bouche tellement sèche que ma langue restait collée au palais. J'étais obligé de faire un effort, la faire descendre. Vous savez pourquoi votre lèvre glisse sur les dents? Vous savez pourquoi elle glisse? C'est grâce à la salive. Mais quand tu as la bouche sèche, tu vois, quand t'as dit, ouais, c'est ça. Et j'ai parlé devant les gens. Et bonjour tout le monde. Il y a quelqu'un, il a tellement eu peine de moi qu'il m'a apporté un verre d'eau. Et quand le verre d'eau est arrivé, j'étais tellement dans le stress, elle était tellement remplie, le verre d'eau était tellement rempli, je sais pas pourquoi il a rempli le verre d'eau comme ça, il voulait certainement me faire plaisir. Moi, je vois le verre d'eau arriver, j'étais en mode panique. Je bois quand? C'est la première fois, j'avais pas l'habitude, moi. J'envoie tout le monde chez Habacuc, là, et je prends le verre d'eau, je lui dis, je vais essayer de boire, et j'étais comme ça avec le verre. J'ai arrosé mes notes, j'ai arrosé la Bible, j'ai tout arrosé. C'est intimidant. Quand tu vas faire la louange, pour la première fois, et tu es là, allez mes frères et sœurs, on se lève, on va louer et adorer Jésus. Et puis là, t'as plein de gens, ça se lève. Et mais au milieu, t'as des petits glaçons. Au milieu, t'as des gens, ils sont là, ils te regardent, les bras croisés, ils font la tête. Peut-être t'as l'impression qu'ils ont été baptisés dans du citron. Écoutez bien, c'est intimidant. Toi, t'es là, pourquoi? J'ai fait quelque chose de pas bien. Tu commences à stresser. Tu comprends? T'es moniteur à Momentum Junior. Et là, tu vas embarquer les gamins avec toi. Et les gamins, ils embarquent rien du tout. Ils montent sur les tables. Toi, t'es là. Les gamins t'intimident. Tu travailles à l'accueil. T'accueilles les gens avec le plus beau des sourires que tu puisses avoir. Et ensuite, tu veux les placer. Et tu dis, monsieur, venez. Et là, le gars ou la femme te regarde. Il dit, bouge-moi, sois où je veux. C'est intimidant. Je règle des trucs, hein. Je règle des dossiers. Je les glisse comme ça. Si tu veux t'asseoir où tu veux, fais partie de l'équipe d'accueil. Après, tu iras t'asseoir où tu veux. Vous comprenez? Il y en a qui disent yes. Vous travaillez dans l'accueil, là. Je sens. Toute situation fortuite, enfin, je ne sais pas comment ça vous connaît, ces trucs des films, n'est vraiment pas fait exprès. Je ne connais personne qui fait ça. Mais c'est intimidant, mes amis. C'est intimidant de servir. C'est intimidant parce que tu sers des gens et tu sais que tu te retrouves sous les feux de la rampe. Et que tu es exposé à la critique, c'est intimidant. Alors d'un côté, il y a des trucs super sympas, t'es encouragé, les gens nanana, il y a plein de belles choses aussi. Hein. Mais il y a tout le côté, tu es exposé, donc tu es critiqué, et c'est intimidant. Moïse est là, mais non, j'ai pas le goût, j'ai pas envie. Ils vont me critiquer, ils vont me dire, mais Dieu t'a pas envoyé, pour qui tu te prends? Ils vont pas me croire, quand je vais leur dire un truc, ils vont faire l'inverse. Et en plus tout ça, après il va le vivre hein, quand même Moïse. Il était intimidé par la tâche. C'est intimidant de répondre à l'appel de Dieu. C'est intimidant. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et quand bien même c'est compliqué et difficile, parfois, c'est tellement de glorieux de vivre l'appel que Dieu a pour notre vie. Moïse ne se sentait pas à la hauteur de la mission que Dieu lui a confiée. Et pourtant, il est considéré comme l'un des plus grands serviteurs de la Bible. Il y a toujours de l'intimidation. Si vous connaissez le livre de Néhémie, alors que Néhémie est en train de rebâtir, c'est glorieux, il rebâtit les murailles de Jérusalem, il y a trois gars qui vont écrire une lettre ouverte pour essayer de l'intimider, pour qu'il arrête son appel. Mais Néhémie a eu la bonne pensée,
il ne s'est pas laissé intimider par ces gens-là. Et il a continué à rebâtir les murailles de Jérusalem. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te laisse pas intimider. T'as pas compris, il te le dit depuis tout à l'heure, le pasteur. Ne te laisse pas intimider. Dernière excuse de Moïse. Cette excuse est liée au fait de ne pas se sentir assez compétent, assez bon dans ce que Dieu nous demande. Regardez ce que la Bible dit. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué, je n'ai pas le don de ce que tu me demandes. » C'est ça doué, je n'ai pas le don pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse est en train de dire, quelque part, quand j'étais le jeune premier, que j'étais fort et éloquent, ça n'a pas marché. Et maintenant, tu me redemandes de me retenir devant les gens, d'aller voir Pharaon, de parler à Pharaon, de parler à tout un peuple. Et excuse-moi, Seigneur. Et encore la suite, son excuse, elle est valable. Ce n'est pas une excuse bidon. Elle est valable, son excuse. Il dit, mais je suis bègue. Tu me demandes d'aller parler à des autorités, mais je suis bègue. Il y a mieux que moi. Vraiment, cherche un peu, tu verras, il y a mieux que moi. Je ne suis pas la personne la plus douée pour faire ces choses-là. Et vous savez ce que Dieu va lui répondre? Je ne vous l'ai pas mis sur la diapo, vous le lirez tranquillement à la maison, c'est tellement beau. Dieu va lui dire, hey, « Hé Moïse, qui est le créateur de la bouche ?» Vous comprenez? Toi, tu es là et tu te dis, « Mais je ne peux pas, je n'ai pas la bouche qu'il faut, je n'ai pas le don qu'il faut. » Et Dieu te rappelle simplement, « C'est moi le créateur du don. » Donc si je décide que tu le fais, tu vas pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, on est sous les feux de la rampe quand nous répondons à l'appel, quand nous allons à Momentum Academy, que nous faisons toutes sortes de services, où nous désirons par la suite passer à une autre étape dans notre vie. Oui, on est sous les feux, c'est risqué parfois, mais je crois qu'il faut du courage pour répondre à l'appel de Dieu. Mais ceux qui ont ce courage vivent l'aventure que Dieu désire pour chacune de leurs vies. Il faut du courage pour répondre à l'appel de Dieu. Il faut du courage pour sortir de la barque. Il faut du courage pour dire à Dieu, « Oui, me voici, envoie-moi. » Il faut du courage pour se tenir devant des gens. Il faut du courage pour prendre des risques. Il faut du courage. Mais ce qu'il y a de fort dans cette histoire, c'est que celui qui délivre, ça ne sera jamais toi ou moi. Celui qui délivre, c'est l'Éternel des armées. Et que ceux qui le croient applaudissent bien fort, le roi des rois. J'aimerais prendre un moment pour faire une interview d'une jeune étudiante qui a répondu à l'appel de Dieu et on va regarder ensemble et voir comment la main de Dieu était sur elle et comment Dieu l'a guidée. Alors j'invite à me rejoindre Mia Delage, Mia Pour maintenant. T'as un fan club, hein. Je connais très bien Mia, parce ça fait deux mois qu'elle est mariée, maintenant c'est Mia Pour, hein. C'est plus Mia Delage, c'est la fille de Kevin et d'Hélène, et elle s'est mariée il y a deux mois, et c'était la coloc de ma fille Estelle, et donc j'ai le privilège de bien connaître Mia, ses parents également, on aime beaucoup Mia, c'est une belle personne. Et à 2 ans, elle a pris la décision de faire Momentum Academy. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Donc je m'appelle Mia, j'ai 23 ans et donc j'ai grandi au début d'abord avec ma maman, puis après Dieu m'a envoyé mon papa, puis mon petit frère aîné. Et puis donc on était dans... Son papa Kevin qui est là, il a été dans le premier service de baptême à Carcan. Et il y avait une image magnifique où on les voyait tous ensemble, se serrer dans les bras. C'était beau. Oui. C'était la petite parenthèse cute. C'est vrai. Donc voilà, du coup, j'ai grandi dans le Tégaronne et après on a déménagé ici donc en 2017-2018. Donc on est arrivé à l'église et voilà, j'ai grandi comme ça. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, le fait que tu fasses Momentum Academy, comment les choses sont arrivées, ton évolution dans l'église et jusqu'à la décision de faire Momentum Academy?
Mes parents, eux, avaient déjà pris la décision de le faire en présentiel. Et moi, jusqu'à présent, je me disais, je sais pas et tout. Et puis après, je me suis dit, allez, je me lance. Mais je travaillais, j'étais en CDI, donc je l'ai fait en distanciel. Et d'ailleurs, j'ai reçu mon appel à ce moment-là, donc c'était en ligne. En plus, il y avait un peu de période de Covid en même temps. Du coup, on le regardait depuis chez nous, en live, avec Yvan à la télé. Et donc là, c'était un cours sur la famille, donc plutôt avec Mathieu. Et j'ai reçu mon appel très clairement pendant ce moment-là, donc j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Et donc mon appel, c'était plutôt de servir au niveau de l'enfance. Et il faut savoir que de base, je ne voulais pas du tout servir avec les enfants. Tu ne voulais pas servir avec les enfants? Quand j'étais petite, j'ai été un petit peu harcelée. J'aime bien quand tu me fais comme ça. Quand j'étais petite. Quand j'étais petite, du coup. T'as eu envie de le refaire. Du coup, je me suis fait un petit peu harceler à l'école et disons que c'était compliqué la relation aux autres enfants. Pour moi, l'enfance. Ça t'intimidait alors? Ouais, vraiment. Pour moi, l'enfance, c'était vraiment l'endroit où je voulais pas aller parce que je voulais pas me retrouver avec des enfants qui étaient méchants, qui étaient tyranniques. Et vraiment, je pensais que j'avais pas la patience et qu'il fallait être vraiment équipée pour ça. Je pensais vraiment pas l'être. Et puis Dieu m'a parlé et m'a dit, en fait, t'es la bonne personne pour y aller, donc vas-y. Et là, du coup, j'ai compris qu'il fallait que j'y aille. Donc après ça, j'ai commencé à servir à Momentum Junior. Ok. Et qu'est-ce que t'as apporté Momentum Academy dans toute ta formation et de qui tu es maintenant? J'ai énormément grandi, j'ai pu évoluer, il y a vraiment un avant et un après. Et j'en serais clairement pas là aujourd'hui si j'avais pas fait 3 ans d'académie. Normalement c'est 2 ans, mais du coup j'ai fait une année en plus. Mais vraiment j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ce qu'il y a de beau dans cette histoire, et donc elle s'est mariée il y a 2 mois. Vous voulez que je vous présente son mari? Lilian, rejoins-nous Lilian. Il a une belle moustache. Et ce qu'il y a de beau dans cette histoire, et on va prier pour eux dans quelques instants, c'est qu'il y a quelque temps en arrière, ils ont pris également, comme Marie et David, la décision de partir. Donc ils vont bouger de là pour aller sur Paris, à Momentum Paris. Et c'est toujours une grâce et une bénédiction. Ils ne seront pas loin, ça, 2 heures de train. Et on va prier pour eux. C'est toujours une grâce et une bénédiction de voir des jeunes hommes, des jeunes filles qui se lèvent et qui répondent à l'appel de Dieu. Oui, il peut y avoir de l'intimidation. Parfois, ça peut être compliqué. Parfois, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais il y a une chose que l'on sait, c'est que Dieu sera toujours là. C'est qu'il ne nous abandonne pas. C'est qu'il est là le matin, il est là le soir, quand tu te lèves, quand tu te couches, il est l'ombre de ta main droite, il ne vous abandonnera jamais. Et je crois que sa grâce va être sur votre vie. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Et j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Si on peut tendre nos mains devant le roi des rois, juste prier pour eux. Seigneur mon Dieu, je te prie pour Mia, je te prie pour Lilian. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses les guider également dans l'appel que tu leur as confié. C'est une grâce, c'est une bénédiction de voir des jeunes hommes, des jeunes filles se lever pour répondre à ton appel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu puisses les guider. Et je prie que là-bas, dans le travail, dans tout ce qu'ils pourront faire, et à Momentum Paris, qu'ils puissent être des sujets de bénédiction. Je prie que leur coupe puisse déborder, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait une onction particulière sur leur vie et que cette onction puisse bouleverser tous les gens qui seront autour d'eux. C'est dans le nom précieux de Jésus, Père, que je te prie. Je les remets entre tes mains. Je les remets, Seigneur mon Dieu, dans la puissance de ton nom et nous prions pour une muraille de protection autour d'eux et nous prions, Seigneur mon Dieu, pour un futur glorieux. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions et que tous ceux qui veulent les bénir disent Amen et applaudissent bien fort. J'invite à reprendre place. On va regarder ensemble un vlog qu'il va nous présenter à Momentum Academy et on se retrouve juste après. Hello tout le monde, moi c'est Léana et je suis étudiante à Momentum Academy. C'est juste ici et je vous emmène avec moi. Quand on arrive, on se retrouve, on a un petit temps pour manger ensemble, passer du temps entre académiciens. Alors les amis, aujourd'hui,
La femme, elle a le droit de prêcher ou pas? Mais non, bien sûr que oui. C'est un petit sujet épineux, hein. Là, je suis avec Estelle et elle prêche demain. Coucou Estelle. Oui, ça va, t'es pas trop stressée? Si. Ça va bien se passer. Franchement, on croit en toi. Tu prêches sur quoi? Sur Joas avec les flèches qui tapent par terre et sur la persévérance et sur le fait de tout donner. J'espère que ça va être encourageant pour vous et voilà. Mais bien sûr, ça va nous bénir. Je prends ta petite tasse, trop mignonne. Merci. Merci Estelle. Après la pause, c'est l'heure des cours. L'académie, c'est sur deux jours, le lundi et le mardi. Et là, je vais vous montrer les backstage. Mais avant, il faut que je retourne en cours. Donc on se retrouve juste après. On va aller espionner les étudiants. Ils sont en train de répéter à la chapelle. La chapelle, c'est le point commun tous ensemble entre étudiants où on passe un moment avec le Seigneur avant les cours. Venez, on va aller regarder. Ils sont en train de répéter. Je vous récupère tout à l'heure. Après les moments de chapelle, on a aussi un temps où on peut débriefer ensemble. C'est vraiment l'occasion de pouvoir s'améliorer, que ce soit au niveau de la louange ou de la prédication. On va aller voir ce qui se passe. Salut. Ils sont en train de débriefer justement. On va les laisser tranquilles. Alors là, je reprends tout à l'heure. Ça y est, c'est la pause. Alors on prend un petit temps pour se reposer entre académiciens. Salut Ellie. Café. Merci beaucoup. C'est vraiment l'occasion de connecter les uns avec les autres. Hello tout le monde. Salut. Vous allez bien? Salut. Salut Nadine, j'ai appris que tu avais un nouvel appartement. Oh. Est-ce que tu peux nous pour le déménagement? C'est ça aussi l'académie. Je vais en cours, à tout à l'heure. Oh tiens Mélodie, tu vas où? Eh bien, en fait, je vais voir Yvan pour parler de mes aspirations suite au jeu dernier jeûne et prière, de discuter de mon ministère, de l'appel. Incroyable, voilà. Sois béni. Merci. En tant qu'académicien, on a aussi des rendez-vous avec les pasteurs pour nous aider en fait à y voir un peu plus clair et à pouvoir peut-être nous lancer dans le ministère, dans quelque chose qui nous tient à cœur. Là, je vais voir Yvan qui est notre professeur et notre directeur. Bonjour Yvan. Je te dérange pas trop, ça va? Pas du tout, pas du tout. Ah super, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans le cours Patateuc et on va aborder la Genèse et particulièrement la création. Ça va être super intéressant. What? Qu'est-ce que je vois ici? C'est nos petits devoirs. C'est vos devoirs. Et on est en pleine correction. T'as ma note. Ben, tu veux savoir? Oh, t'es sûr? Je sais pas trop. En parlant des devoirs, qui dit école biblique dit... TD. Je vous emmène avec moi dans un cours de leadership. C'est parti. Un TD leadership. Un TD. Wow. Alors, vous en êtes où, les amis? Et on a décidé de choisir Paul. Ouais. Je trouve que c'est un personnage super intéressant. Et c'est un des leaders les plus influents du Nouveau Testament. Donc, c'est ce qu'on a vu sa vie. Quelles sont les sources que vous avez pu réunir pour trouver un peu des choses sur Paul? Donc, côté autre, on a gagné pour la bibliothèque de l'académie. Si je devais vous présenter une personne à l'académie, ce serait Karine. Karine, elle prend soin de nous à l'académie, elle organise énormément de choses. C'est elle qui est dans le backstage avec toute une équipe et sans toi Karine, on ne pourrait pas être là où on est aujourd'hui. Donc, merci du cœur. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre voyage à l'académie, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et pour finir, l'académie, ce sont aussi des étudiants qui entrent dans le plan de Dieu et dans leur service. Voyez par vous-même. Alors maintenant, nous allons procéder dans quelques instants à la remise des diplômes de ceux qui ont gradué, littéralement qui ont fini tout le cursus. Et sans plus tarder, je vais inviter le directeur de Momentum Academy, le pasteur Yvan Musard, à me rejoindre.
ainsi que Karine Ligori, s'il te plaît, qui s'occupe de l'administration vie étudiante. Et j'invite également tous les étudiants, les finissants, à me rejoindre. Je vous invite à reprendre place un instant. Et là, vous avez le cri strident hein, quand même un petit peu. Vous avez l'air motivé. Hein. Ils ont l'air aussi très motivés de finir, ça m'inquiète un peu quand même. Je suis ravi de pouvoir prendre ce petit temps, petit discours pour vous. Et c'est un moment effectivement intense, un moment plein d'émotions. C'est la troisième promotion. Qui gradue, et une promotion, ça ne veut pas dire que c'est au rabais, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire un prix, un bas prix ou une promotion au rabais, non, non, en fait, on veut les élever, on veut les mettre en avant. Et littéralement, le mot promotion en latin signifie mettre en mouvement, lancer en mouvement, et c'est ce que nous voulons faire avec vous. Vous mettre en mouvement. Et alors, je tiens d'abord à exprimer vraiment toute ma reconnaissance et ma fierté pour chacun d'entre vous, pour le sacrifice que vous avez fait pour ces 2 ans, pour tout le chemin parcouru et toutes les épreuves, tous les défis par lesquels vous êtes passés et pour vous rendre jusqu'ici. J'aimerais aussi remercier les familles pour le soutien. J'aimerais qu'on puisse applaudir les familles pour leur soutien. Le fait que vous soyez ici, c'est précieux aussi pour eux. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui font l'académie au quotidien. Il y a Karine qui est ici. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir. Il y a Néhémie, il y a Laura. On peut applaudir au fur et à mesure. Il y a Stéphanie, il y a Pablo, il y a Anthony, il y a Priscilla. Et tellement d'autres qui font que l'académie peut vivre au quotidien. Et j'ai aussi exprimé ma reconnaissance envers Patrice qui nous a confié cette mission. Merci pour ta confiance, Patrice, et ton inconscience. Merci pour ta confiance et ton amitié. Et je voudrais aussi remercier tous les enseignants. Patrice, Mathieu, Dan, Samuel, Patrick, Alice, Marie et les dizaines d'autres qui apportent et partagent leur savoir, leur expérience et leur passion. Et bien sûr, une immense reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu tout cela possible. Et j'aimerais qu'on puisse élever notre Seigneur en applaudissant. Paul. C'est l'émotion, les mots se mélangent, les personnages se mélangent. Mais Paul va faire une prière envers une communauté qu'il chérit particulièrement. C'est l'église de Philippe et moi je vais faire cette prière envers une communauté que je chéris particulièrement, les académiciens. Et voici ce qu'il va dire. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Et il va continuer en donnant ce verset que j'aime énormément citer. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Faites ce que Dieu commence dans nos vies. À partir du jour où nous lui disons oui, comme Moïse qui a fini par céder et qui a dit oui, ce qu'il commence, il finit toujours par l'achever. Alors, faut juste mettre notre foi en le Seigneur Jésus. Celui qui a commencé, celui qui nous a appelés, il va nous mener jusqu'au bout. Et Paul continue en disant « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » En fait, Paul est en train de dire l'amour, les amis,
c'est relié à la connaissance. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec vous tout au long de ces deux années, de vous transmettre toute la connaissance, mais en même temps, il va dire pleine intelligence. Et ce mot pleine intelligence est extrêmement intéressant. C'est la seule fois où c'est cité dans le Nouveau Testament. Ça veut dire sensibilité, mais ça veut dire surtout intelligence pratique. C'est-à-dire, il ne suffit pas que l'intelligence, il ne suffit pas de remplir le cerveau, mais il suffit de comprendre aussi comment faire les choses, le comment. Afin que vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse les applaudir encore une fois. On est très fiers de vous. Voilà. Et maintenant, on va procéder à la remise des diplômes. Vous êtes arrivés jusqu'ici pour ça. Et on va les appeler trois par trois. En tout cas, on va les appeler en groupe. Et à chaque groupe, on va les applaudir. Et j'aimerais qu'on puisse applaudir et accueillir Fiona Sabé Goromo, Rémi Koné et Anastasia Sadak. Félicitations. On est fiers. Bravo, Anastasia. J'aimerais appeler Johanna et Guillaume Lavorel. Félicitations. Bravo Guillaume. J'aimerais appeler Abraham Zandvit, Rebecca Duperrier, Camille D'Angelo. Bravo Rebecca. On est très fiers, Camille. On va appeler aussi Christelle et Stéphane Yosangem. Félicitations. Bravo Stéphane. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs couples. Hein. On va appeler Annabelle Martinez et Michael Var. Félicitations. Il y a effectivement beaucoup d'émotions. On va appeler Manu Pignatelli et Nadine Zola. Félicitations Manu. Très fier. Bravo Nadine. Maria Bricot, Chloé Bonhomme et Saad Gadou. Bravo Maria. Bravo Chloé. Bravo Saad. On est très fiers d'eux. J'aimerais appeler Emmanuel et Damien Vasquez. Félicitations, Emmanuel. Bravo, Damien. Et je vais appeler Tatiana Pisani, Nina Kiles et Élise Paulinus. Bravo Nina.
Élise. Et je vais terminer avec Étienne Kalpakis, Mia Pour et Estelle Martorano. Bravo Étienne. Mia. Félicitations Estelle. C'est beaucoup d'émotion parce que c'est 2 ans passés ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Non, ça a été extraordinaire. Et avant qu'on puisse prier pour eux, je sais qu'Étienne a un discours qui est préparé. Alors on te laisse la place, Étienne, pour que tu puisses faire ton discours. Amen. Ils sont déchaînés. Donc voilà le discours. On dit souvent entre nous que le meilleur est à venir. On l'a d'ailleurs chanté dès le premier chant, dès le premier moment de louange de l'année. Et par la suite, on se l'est répété à chaque nouvelle saison. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, cette phrase, elle vient prendre tout son sens. Alors Karine, Yvan, Patrice, ainsi que tous les membres du corps enseignant de Momentum Academy, j'aimerais au nom de toute la 3e promotion vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour tous les cours et les enseignements qui nous ont rapprochés du cœur de Dieu. Merci pour les soutiens que vous avez été pour nous. Merci pour vos rires, pour les discussions partagées, pour les conseils précieux. Merci pour toutes ces heures que nous n'avons pas vues et pour votre dévouement à toujours nous donner le meilleur. Merci d'avoir été des piliers, à toujours nous encourager à nous mettre en mouvement pour Dieu. Merci d'avoir investi en nous, même si on peut se le dire, c'était pas forcément gagné. C'est grâce à cela que 2 ans après, chacun de nous ici ressort différent de la manière dont il est rentré. Nous repartons avec des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans notre mémoire et avec des outils qui nous permettront, je suis sûr, de construire ce que Dieu nous appelle à vivre. Enfin, merci d'avoir rêvé afin que nous puissions rêver à notre tour. Amen. Aujourd'hui, même si c'est la fin de l'académie, c'est le début de choses plus grandes. Je finirai donc en disant quelque chose auquel je crois fortement, et je pense qu'on est tous ici d'accord, que ce soit pour nous, que ce soit pour vous, que ce soit pour chacun, le meilleur est à venir. Merci Étienne, merci à toute cette promo. Vous savez qu'on vous aime, vous êtes à jamais dans nos cœurs. En fait, ils ne le savent pas, mais ils sont toujours académiciens jusqu'à la fin de leur vie. Et on va terminer ce moment en priant une dernière fois, si vous voulez bien, pour eux. Et j'aimerais que vous puissiez tendre vos mains, il n'y a rien de magique, c'est symbolique. Mais à la fin, que vous puissiez dire aussi avec moi et avec nous, Amen. Amen, c'est qu'il en soit ainsi. Alors on va tendre nos mains, on va prier pour ces bien-aimés. Et Seigneur Jésus, on te les confie, chacun d'entre eux. Tu les as appelés, tu les as amenés. Tu as permis qu'ils puissent faire cette académie, tu as permis qu'ils puissent terminer ce temps, Seigneur Jésus. Et nous te prions parce que nous savons que ce que tu commences, comme je l'ai partagé tout à l'heure, tu le mènes jusqu'à son achèvement. Et nous savons que tu as préparé des œuvres à l'avance pour chacun d'entre eux. Alors nous te prions qu'ils entrent pleinement, sans aucun doute, sans crainte, dans tout ce que tu as préparé pour eux, Seigneur. Et qu'ils sachent que, alors que tu les appelles, tu as tout ce qu'il faut, la provision nécessaire, le courage nécessaire, la foi nécessaire, Seigneur mon Dieu. Tu as tout ce qu'il faut, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils puissent accomplir ce que tu les appelles à faire. Alors nous te prions pour de puissantes bénédictions, qu'ils soient une puissante bénédiction pour leur famille, partout où tu les amèneras, pour toutes les églises qu'ils fréquenteront, pour chaque personne qu'ils rencontreront. En ton nom nous avons prié. Amen et Amen.
J'espère que cette célébration, ce message, toute la célébration vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le liker, partager, commenter. Également, merci pour votre générosité lorsque vous donnez sur monoffrande.fr. Vous nous aidez à bâtir et à faire avancer le royaume de Dieu. Sachez également, concernant Momentum Academy, il va y avoir une journée en ligne de porte ouverte. Ça va avoir lieu le mardi 2 juillet à 20h. Alors, sans plus tarder, nos diplômés sont là et on va faire le fameux traditionnel. On va envoyer le chapeau. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. À bientôt, bye bye.